Cafou, que président Jovenel Moïse était venu arriver là-dedans, et bien il trouvait là-dedans. Jovenel Moïse gagnait contrôle toute bagaille. Jovenel Moïse gagnait toute bagaille dans la mêle. Moi, invitez-nous pour nous capables de suivre et une analyse dans ce sens que monsieur Martin Debayo, spécialement nous, co-désir, on lui même fait. Sous immense pouvoir que le président Jovenel Moïse ligue et n'amène. En suivant ensemble. Question qu'on y a et avec analyse. Deuxième lundi du mois de janvier 2020, c'est jeudi hein, et c'est là. Nous avons rendez-vous pour nous garder ensemble ce qui a passé dans le pays, ce qui peut passer pratiquement dans le pays. L'information en bas, c'est que le président Jovenel Moïse ferme le téléphone pendant tout le week-end. Ah bon? Ah ouais. Sentible, hein? Il ferme le téléphone pendant tout le week-end. Ah, mais il va prendre parole. Non, téléphone fermé pendant tout le week-end. Ok. Il est ouvert hier soir à minuit. Minuit. Ah, puis à minuit de l'école. À minuit de l'école. Non, mais ça n'a été déjà là, il est publié la nuit. Il est tout écrit à ton minuit. Il est tout écrit. Il ferme le téléphone pendant tout le week-end. Ah, oui, équipe de Capri. Oui. Et puis après, ça a dit, tu es trompé. Alors, pour qui ça? Pour qui ça? International là, madame, monsieur, j'ai qu'une faire analyse là, ici, en émission Matin Débat. T'es un secteur international là qui t'a mis pression. Le président Jovenel Moïse était quand même Kembe, en fait, sénateur. Même on ne pas sénateur national là. Oui, justement. Pour ces ontières, pour ces ontières qui t'allent. Nous songeons à l'analyse que nous avons fait ici en matin de débat avant jeudi dernier, nous songeons. Et nous avons dit que nous avons Kembe analyse ça. Et effectivement, tu as l'impression. Donc, qui t'a mis pour ces ontières qui t'allent. Parce que justement, en matière de démocratie internationale, tu pensais que, donc, quitter le pays, livrer le pays à Jovenel Moïse pour la diriger par décret. Donc, il n'est pas. C'est pas bon pour la démocratie, en fait, et c'est mettre le pays en fait dans plus de problèmes. Ça fait moi dire, mettre dans le tout à l'heure. Pour ça, qui est là comme problème, Jovenel Moïse, je dis que tout le bagage en main. Il a tout son pouvoir en main. Tout à fait en main. Okay, tout à fait tout carotte en main. Tout carotte en main net. Et quoi que je dis à tout, donc il faut en regarder. Donc la position que quelqu'un a gagné, donc madame, monsieur, au niveau du Parlement. Même moi, c'est que son leçon, je dis à peu près ici après. Et son leçon, je veux dire, que classe politique là, lui-même l'a pris. Et, on est d'accord avec moi, Jovenel Moïse comme président de la République, c'est ton petit fil que le territé. Oui. D'ailleurs, il perd du pouvoir pendant 7 fois déjà. Même pas qu'on est non. Si c'est bon Dieu qui remet Jovenel Moïse, bon, moi-même qui a dit que c'est seul haïtien que bon Dieu remet dans le niveau ça. Ah oui. Parce que, pas de mentir. Pas de rien qui te kembe Jovenel Moïse encore là, non, et dans le pouvoir, madame, monsieur, dans le palais national. Et, bon, il faut un débat ici, dans le débat, qui a un rapport avec Jean-Michel Lapin. Parce qu'on côté que t'es arrivé, c'est Jean-Michel Lapin. Oui, là, qui il faut le dire. Qui a campé bon côté président. Il ne laisse pas bon pour côté de l'organisation. Oui, le petit président de Jovenel Moïse, m'a bon menti, nous, pour qu'on perde la bataille. Oui. Pendant que bateau a tapé couler, t'as pris de l'eau. Elle t'a accepté. Ah oui. Fait sacrifice ça. Il t'a accepté, fait sacrifice ça. Et ça fait, je dis à madame, monsieur, pas étonné pour que Jovenel Moïse, lui, il confirmé, donc, Jean-Michel Lapin comme premier ministre. Et il y a deux raisons pour ça. La première raison que nous avons évoquée tout à l'heure, parce que pendant la crise là, Jean-Michel Lapin, passé la crise là, avec Jovenel Moïse, pas seulement en tant que premier ministre, mais comme ami personnel qui l'a de temps en temps, qui a supporté et qui a frappé pour tout côté, bon pour résoudre les problèmes. Bon conseiller. Faut jeter de l'eau. Mais deuxièmement, vu la situation actuelle, donc pays à la donne, je dis à la, un nouveau premier ministre avec Jovenel Moïse, d'abord, c'est recommencé. Parce que je dis à la Mbabon Manti, Jovenel Moïse, c'est que les Haïtiens là, ouais. C'est comme Nadou Tekarelé, le président Pakatan. Mm-hmm. Et de fait, pour ça qui est là comme problème, si c'est avec un nouveau premier ministre qui saute sur l'autre côté, qui n'a pas qu'on administration, qui n'a pas qu'on administration, il n'a pas le temps pour l'apprendre. Boîte d'État. Les besoins techniciens et en même temps politiciens. Et puis, pas oublier tout, un mariage. Écoutez, les deux doivent se connaître. Ben, Jovenel Moïse, qu'on n'allait pas le prendre pour le premier ministre. Premier ministre, surtout pas le prendre pour le connaître le président Jovenel Moïse. Et pour le connaître l'administration. En termes de cohabitation, Babo Manti, il n'est pas très difficile. Non, là, la raison ça, ok. Sous base de raison ça, madame, monsieur, pas étonné pour que c'est Jean-Michel Lapin que Jovenel Moïse t'a confirmé. Oui, ok, comme premier ministre. Ok. Maintenant. Mais ça parle très fort, hein. Ah oui. Mais palais national, il n'y a pas non
Monsieur Lapin. Mais écoutez, pas national, pas national. L'aime de parler national, là. Elle dit, on grève parti, il en parle. Parce qu'il dit que, moi, je vais regarder là. Il y a deux mondes qui mènent parler national. La paix pas de question n'importe qui en vous. Parce qu'il connaît bien l'administration publique. C'est clair, c'est clair. Maintenant, les gars sont techniciens. Hein? Plus de, vieille de plus de 40 combattants dans l'administration publique, 30 combattants dans l'administration publique, là. L'église, on a dit de chef, de chef, de messager. Il y a trois mondes dans le pays, madame, monsieur. Quel que soit le gouvernement, quel que soit le président, il y a trois mouns dans le pays. Quel que soit le président, quel que soit et famille politique qu'on sortit là-dedans, qu'on appartenu. Il y a trois mouns dans le pays. Quel que soit le président, il a toujours besoin. Il y en a les choses qui il a toujours besoin comme conseiller d'un qui passe dans l'État, qui connaît l'État. Deuxième dans le Enex Jean-Charles. Il a toujours besoin d'Enex Jean-Charles comme technicien d'un qui connaît l'État. Il a toujours besoin Jean-Michel Lapin. Il y a trois mouns d'ailleurs. Quel que soit le président, dans quel que soit le parti politique qui est sorti, à quel que soit le parti politique qui est appartenu, il y a le président ça a toujours besoin de trois mouns ça pratiquement dans le pays. Maintenant, qui ça va le faire? Nous sommes dans d'elle et madame, monsieur, tout ça qui a passé la matinée, bah, dit déjà la semaine dernière. Est-ce que nous sommes nous disons que dans le dossier débat qui est sur le mandat des sénateurs, nous te dit lundi passé, sauf si son surprise, pour ce n'est pas 19 sénateurs calés. Et nous te dit semaine dernière, sous question du Premier ministre, il y a plus de chances pour c'est dans le sud-est que le Premier ministre sorti. Et je dis, je me dis non, sous base analyse que nous faisons à l'heure là, pas étonné pour que c'est Jean-Michel Lapin que Jovenel Moïse lui-même lui reconfirmé comme Premier ministre. Mmh. Ok? Maintenant, parle du Premier ministre justement qui a vu là-bas décret. Ok? Non, mais les calombes d'où? Nous te dit ça ici, on aime le sud-est, c'est Jean-Michel Lapin. Joseph Lambert et puis Hector Anacassis. Ouais. C'est ça l'idée très important. Ah oui, Annette. Ouais. Okay? Alors, moi ajoute le nom Hector Anacassis, ok, parmi moun qui est dans le sud-est, et probablement si dans la question Premier ministre, ok, et pas étonné pour comme dans le sud-est qu'on voit que Prima Tia donc sorti. Ok, c'est Jean-Hector Anacassis, parce que non paraît à la dernière minute. Et jeudi dernier, donc sur liste avec Michel Legault. Ok? Et puis, il y a Jean-Michel Lapin qui est déjà là lui-même comme Premier ministre Haï. Également, donc, Joseph Robert, que connaît, et toute équipe là, donc, à un moment-là, donc, il est très confiant. Il a travaillé même beaucoup de côté par donc, pas étonné pour que, en fait, Premier ministre là, c'est nommé, il y a un monde du sud-est, en fait, que les vignes tombent. Ok. Maintenant, tout ça, remettre dans Jojo Dio, nous étions déjà ici en émission, en train de voir dans le canal, ce que nous avons fait jeudi dernier. Pas encore politique, quelques agents. Quel que soit jeune, nous allons aller faire un accord politique. Maintenant, c'est qui accord c'est qui accord politique avec qui moun? Il n'a accord ça. Ah oui, c'est là le, la c'est question là le des élections liée au centre des débats. Il n'a accord ça la question des élections. Il y a le débat là-bas, ce table-là. Au centre des débats. Yeah. Maintenant, nous te dit tout que c'est accord qui permet une élection, parce que quand même, je dis, il y a un plus gros défi. Jovenel Moïse gagne après, justement, deuxième lundi du mois de janvier 2021. Il a peut-être deuxième lundi du mois de janvier 2021. Et que l'IV là dans Jodia. Et ouais que tout l'IA, il est clair que il constatait caducité parlement. Maintenant, après l'étape, en fait, du deuxième lundi du mois de janvier 2020, la prochaine étape, madame, c'est la question des élections. Et ça, c'est un défi pour Jovenel Moïse. Est-ce que Jovenel Moïse est capable de faire élection donc en fin année 2021? En tout cas, ça, c'est la grande question. Maintenant, à quoi politique, à quoi politique, madame, monsieur, qu'il va signer ensemble, non? Ok, la mené, justement, donc, la mené Haïti, la mené pays, la mené nous vers les élections. Ouais. Maintenant, élection ça, à partir de l'accord, c'est l'une d'Algadé. Il y a plus de chance pour nous tomber dans le centre en 2001, pratiquement dans le pays. Songez ça, et Makel, notez pour moi quelque part. Il y a plus de chance. Côté que vous parlez, que vous ensemble de partis qui dit que papa l'élection avec Jovenel Moïse, quand et Jovenel Moïse comme président de la République, il va faire élection quand même avec Mungi Vléo, Jean-Gouin et Maître Renaud Josso dit là. Et puis, résultat déjà qu'on est qui ça va bien. Ou bien. Oui, même problème. Bien, non, tout, oui. Alors contestation sur contestation, ou pas le bon président illégitime, et puis pays continue le problème. Même problème. Moi-même ça me pense qu'à privé. Même problème. N'a pas le tombé dans la même question, Michel Martelly, cap quitté pouvoir, ça va arriver à organiser une bonne élection. Très bien. Jovenel Moïse, dans la situation que vous mettez là, d'ailleurs, vous connaissez, vous n'êtes pas capable de gagner l'élection par rapport avec la population qui n'a pas fait confiance. Donc, mon population est à un certain niveau et apprend des trois grands mondes comme sénateur, comme député, comme magistrat. Mais pour la question de la présidence, en pile là, j'ai parlé de l'électeur, c'est toujours outsider pour vous prendre.
ça nous clair la donne, outsider, c'est outsider, pas gagne monde qui a sorti dans la classe politique là, qui prend le pouvoir. Donc, dans la classe politique, yo, c'est toujours dans le cadre d'un accord, dans le cadre de transition pour le pouvoir. Right. Donc, right. Je veux dire là, il y a, sac dans la tête, là, c'est combat de Jovenel net. Et tu fais la fête, c'est lui. Mais il fait ce que écoutez, je même si on relève. Il perd du pouvoir, en fait, pendant 7 fois. Ouais, j'ai pas dit pouvoir. Maintenant, on y a là, mais faut que Jovenel tout, lui-même, bon côté, pas prendre comme ça comme une carte blanche, t'as qu'on dit ça. Hein? Comme on victoire et que les gains sont négo, les gains sont négo, et que pour le penser que les prêts à pays, après gérer les potes qui je dis à là, on fait mission faveur. On veut dire faire mission faveur. Mais monsieur prend tout le monde. Mais c'est pas une faveur, non. Non, l'aime de faveur. Non. Écoutez, madame, monsieur, c'est une bataille politique entre deux cas. L'opposition, le gouvernement. Une gagne, Jovenel Moïse gagne. Non, il est clair, oui. Ok? Maintenant, est-ce que le film gagne net? Non, moi, je ne crois pas. Sauf que dans toute la bataille, ça. La bataille, ça gagne. Oui, il gagne. Mais, véritable perdant, ces populations. Non, écoutez, parce que jusqu'ici, la bataille, ça, dans la bataille, ça que tu gagnes là, opposition, qui ça le fait pour aller? Sinon que plus bail paye un coup. Mais, parallèlement, pour voir tout, plus problème. Parallèlement, tout, pour voir, ou pas, comme si un rien qui fait pendant 3 ans alors pendant temps qui passe ou pas un rien bilan mec bilan voilà. Mec c'est la période de bilan législatif ça qui sont allés là zéro c'est les maigres les insatisfaisants c'est nul mais bilan équipe ça là tout administration Moïse là ne parle pas les facteurs en termes de résultats mais il n'y a pas de possibilité tout Pas d'accord, monsieur. On ne peut pas diriger dans l'instabilité, monsieur. Qu'est-ce qui vous crée La stabilité. Esaïe César, on allait. Son ensemble de problèmes qui vient, qui fait que nous vivons là. Là, voilà. Si tout ça marche bien, si gouvernement. Attendez-moi, frère. Si gouvernement font bonne gestion, ok, d'utiliser le momentum bien. Bien, ok, s'il y a une bonne gouvernance. Ok, c'est le désir et justement payer bien. La gaspiller là, j'en ai question grave en gauche à droite comme ça. Ok, écoutez, il y a des réponses. Je dis à la, si la population te joigne à des questions que le gagne, nous allons priver là. Voilà, là, même des questions. Voilà, même des problèmes, ça. Voilà. Je dis, écoutez, madame, monsieur, je dis à qui c'est dans une situation difficile. C'est la population. Ok, opposition, ou d'accord, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Opposition, il y a des gladiateurs qui font quoi bien. Yo fin fè kobyo, ok? Oui. Et gen la de ou tout la yo di ala ki... Pète la jana ou na. Yo di ala, gen la de ou jo di ala ki yo regrette ke yo te entre nou bataille. Yo te entre nou bataille tête en bas. Et kwe yame la justice pour l'attaque yo la. Parce que yo wè que, en fait, moun ki tap mène en opposition, se a fait personnel yo tap réglé. Ah oui. Ok? Yo di ala, ki sa kpase? Gouvernement pa ba résultat, opposition pa ba résultat, kèr ki soufri sa population pe 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 soufri. La population ki pe el. Population komanse wè klè. Écoutez mon frère, madame, monsieur, nou pa jam tourne nan kèsyon peyi lòk ankòn an peyi a. Mais quoi? On va faire payer le clan, mais ça finit pour toi. Et ça n'est pas réponse des nègres là. Pendant que ça là, Louko, on va dire ça là. Oui. Il n'y a pas réponse des nègres qui va le bailler quand on sait le côté. Pour un calon et autre. Mon frère, pas bon, merci. On va faire payer le clan. Aïe, aïe, aïe. Ça finit pour payer d'Haïti. M'a dit pas de bailler quand on m'a dit que pas de manifestation. Mais on va faire payer le clan pendant 3 mois, pendant 2 mois, ça finit pour payer. On finit. Et comme je dis, je m'a tout répété. Si je veux Jovenel Moïse arriver à faire 5 ans, pap, j'aime des questions de questions voyez aller pour voir le président aller. Ok, maintenant, on nous entre dans la question. Eh bien, est-ce qu'on est que la transition, on te dit déjà dans le matin débat, transition commencée. Oui, comment t'as supposé commencer. Ah oui, nous te dit qu'à partir du 2e lundi du mois de janvier 2020, la transition commence. Ouais. Et de fait, la transition commence, je dis à là. Le gouvernement qui, par l'installer là, par décret, hein, son gouvernement de transition. Maintenant, si Jovenel Moïse part, il fait élection. Si Jovenel Moïse pas arrive à faire élection, il est capable en fait de vivre dans la situation, il est obligé d'aller donc février 2022. Si l'élection pas arrivé organisée, si l'élection pas arrivé faite. Année 2020. L'article 74.2 de la Constitution. Que ça le dit. Ça le dit. Ok. Hein? Et regardez l'article 74.2. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre. De la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Mm-hmm. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Déclaré.
Et ça me donne discuté avec M. Georges. Année de l'élection. Oui. Donc 2016, 2021, c'est quand? Clair, clair, clair. Elle dit que, madame, monsieur, écoutez, madame, monsieur. Si Jovenel Moïse pas arrivé à organiser l'élection à la fin de l'année 2020, il est arrivé dans la situation, septembre 2020, quitter le pouvoir. Septembre 2021. 2021, il quitte le pouvoir. S'il pas organisé, s'il pas arrivé à organiser l'élection, en 2020. Élection anticipée. Élection générale. Élection générale. Élection générale. Oui. En 2020. 2020. Ok, donc la Bobigé qui était pouvoir depuis 7 février 2021. Et là, ça a, ou pas, tomber nos transitions. Et, pas oublier, madame, monsieur, qu'on dossier de constitution qui est sous table. Par contre, qu'est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est capable de river, en fait, dans la dynamique de changer constitution. Pas organisé, légalement. Légalement, voilà. Oui, légalement. 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 Yeah. Avant que la fête de façon illégale. Non, ça part. C'est-à-dire que. Et je dis à pour l'international, changer la constitution, ils sont impératifs. Pour le secteur privé, non? Ah, mon frère. Oui. T'as bien, non? M'a toujours rappelé que il y a une mission politique des Nations Unies dans le pays. Toujours songer ça. Et il y a une mission, bureau Salah, c'est changer la constitution. Ouais. Est-ce que vous comprenez bien, madame, monsieur? Est-ce que par une constitution qui a parlé là? Il peut paraître bluff. D'ailleurs, nous sommes tenus maintenant en jeu. Madame conseiller président. Parce que Jovenel Moïse, comme président, connaît très bien que l'IPAP capable changer la constitution lui-même personnellement parce que pas gagné provision, provision légale. Tout ça. Donc, tout changement de constitution ou bien amendement de constitution, eh bien, c'est notre gouvernement pour faire lui. Yeah. Donc, en réalité, ça c'est pour l'avenir. Comment on débat chaque fois nous parler, tout ça nous dit toujours arrivé. Notez ça pour moi aujourd'hui. Hein, et ça, nous gagnerez-vous pratiquement dans un an. Donc nous avons toute l'année pour nous réfléchir sur ce que nous dit Mathieu, donc on a qu'à démission matin. Ok. Deuxième lundi du mois de janvier 2020.